Je suis Rosie Goldstein, vice-principale à la recherche et l'innovation à l'Université McGill. Je suis ravie de vous accueillir à la conférence sur le prix QLM du Conseil du Canada 2016. C'est pour moi un très grand honneur d'être ici ce soir parmi vous à cet événement pour reconnaître l'excellence d'une chercheuse le plus éminent au monde. Les prix QLM sont les prix les plus prestigieux du Canada décernés en reconnaissance d'une carrière exceptionnelle en quelques domaines, en sciences de la santé, en sciences sociales, en génie, en sciences naturelles et en sciences humaines. The First Canada Council QLM Prizes recognize lifetime contribution to scholarship, recognizing lifetime contribution to scholarship were awarded in 1981 from the Trust of Dorothy J. QLM. The trusts were established in 1965 in memory of Dorothy QLM's husband, Isaac Walton QLM, one of Canada's wealthiest financiers, for the benefit of the Montreal Neurological Institute at McGill, Dalhousie University, University of Alberta, the University of Calgary, the University of British Columbia, and the Canada Council, which I already mentioned. Nous sommes fiers à l'Université McGill de compter parmi les institutions QLM. Many of McGill's top researchers have been honored, as Isabel has been, Professor Donet, with QLM prizes since the awards were first announced. I want to mention just a few. McGill's first ever QLM Prize winner was the pioneering neuroscientist, Professor Brenda Milner, who is currently still the Dorothy J. QLM Professor at the Montreal Neurological Institute, and as many of you know, still working and teaching. Last year, Professor Victoria Caspi from McGill's Department of Physics won the QLM Prize for the Natural Sciences. Today's talk is held in French, but during the question and answer period, please feel free to ask your questions in either of our official languages, English or French, whichever you are most comfortable. Il me fait maintenant plaisir d'accueillir le principal et vice-chancelier de notre université, la professeure Suzanne Fortier, que vous parlerez brièvement de la lauréate de Prix QLM 2016 en sciences humaines. Merci. Thank you, Rosie. Good evening and welcome to all of you, and thank you for being with us this evening. C'est vraiment un immense bonheur pour moi de vous présenter la conférencière de marque de ce soir, la lauréate du prix QLM 2016 en sciences humaines, Madame Isabelle Daumet. Professeure au département de langue et littérature française, Madame Daumet est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'esthétique et l'art du roman, et elle est aussi membre de la Société royale du Canada. Elle est une spécialiste de renommée mondiale du roman réaliste, en particulier de l'œuvre de Gustave Flaubert. L'un des grands thèmes de sa recherche est le lien entre le roman moderne et la mémoire. La professeure Daumet est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant de la fiction au 19e et 20e siècle, dont plus récemment, le roman « Sans aventure », un regard salué par la critique sur le roman au Québec dans le contexte de la fiction littéraire mondiale. Et je dois vous dire, Madame Daumet, à quel point c'est un bonheur pour moi-même et pour toute la communauté mcgilloise d'avoir au sein de notre université un département de langue et littérature française de la qualité et renommée de notre département, et vous en êtes un excellent modèle et exemple. Alors, on vous félicite d'autant plus parce que vous nous apportez à tous et à tous les membres de notre comité un grand bonheur et un grand moment de fierté. Alors, je voulais vous le dire, merci beaucoup pour tout ce que vous contribuez à notre communauté. Madame Daumet a fondé L'Inconvénient, une des revues littéraires et culturelles de langue française au Canada. Et ce soir, elle s'entretiendra avec Carole Graveline, qui est la directrice des relations avec les médias à l'Université McGill, sur le thème « Le roman pour explorer le monde et la vie ». Alors, mesdames, je vous laisse la parole. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. On va commencer par disons qu'on va faire un petit voyage à travers le roman. Tout d'abord, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au roman? Est-ce que ça date de l'enfance ou plus tard? C'est une question, je dirais, en plusieurs étapes. Il n'y a pas un moment où on commence à s'intéresser au roman, mais c'est sûr que toutes les strates de lecture, toutes les couches de lecture nous,
nous mène à ce qu'on fait, ce que je fais aujourd'hui. Alors, les premières strates de lecture, évidemment, ce sont les lectures d'enfance, les lectures d'adolescence. Mais il vient aussi au moment où on comprend, je dirais, ce qui a été peut-être pas tellement le déclic, parce qu'il n'y a pas un moment précis, mais ce qui peu à peu se construit. C'est là qu'on se met à comprendre que le roman est une forme beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. A priori, l'idée, c'est que le roman, c'est le genre le plus facile, le plus courant, le plus spontané, et que les autres formes littéraires sont des formes plus savantes, plus complexes. Et puis on se rend compte, peu à peu, plus on étudie, plus on travaille sur le roman, que c'est une forme qui est au moins aussi complexe que les autres, et que c'est dans cette complexité-là que réside tout l'intérêt du roman. Donc, il y a plusieurs. Donc, dès qu'on se met à sentir cette complexité, un romancier doit maîtriser une très grande quantité d'éléments, ne serait-ce que techniquement, on s'aperçoit qu'il y a là une richesse formelle extrêmement grande. Maintenant, il y a d'autres éléments aussi, peut-être plus concrètement, plus normalement. C'est l'intérêt, je pense d'ailleurs, c'est l'intérêt pour n'importe quel lecteur pour le roman, et c'est peut-être l'intérêt premier qu'on a quand on commence à lire des romans dans la vie, c'est justement de nous offrir des vies autres que celles que nous menons. Donc, en quelque sorte, d'augmenter les expériences qu'on peut avoir de la vie, qu'on ne pourrait jamais avoir soi-même. Ça, je pense que c'est l'expérience première, de base, de n'importe quel lecteur. Lire un roman ou lire des romans, c'est en quelque sorte, par procuration, vivre des vies qu'on ne pourrait jamais vivre soi-même. Mais là, il y a la rencontre avec Flaubert. Il y a la rencontre avec Flaubert. La rencontre avec Flaubert, elle est tout à fait importante. C'est une rencontre qui remonte assez loin. Et la première rencontre, jamais je me serais douté qu'ensuite Flaubert serait le grand auteur de ma vie. C'est une rencontre qui date d'un exercice scolaire à l'école secondaire. Je pense que je n'étais pas en secondaire 3 ou en secondaire 4. Notre professeur de français nous avait donné comme exercice de faire un pas un pastiche, mais il s'agissait de écrire comme à la Flaubert. C'est-à-dire il y avait plusieurs auteurs, on avait plusieurs textes, et parmi les textes, c'est pas un texte qu'on avait à choisir, je pense qu'on avait deux ou trois exercices, puis il y avait un passage de Madame Bovary, et puis il s'agissait de, je sais pas, il y avait une dizaine de lignes, il fallait prolonger, imaginer la suite de la scène en imitant le style. Et j'ai aucun souvenir des autres auteurs qui avaient été proposés, mais j'ai un souvenir très, très précis de cet exercice. J'avais été tout à fait charmée, séduite par le style de Flaubert. C'était quoi ces éléments-là? C'était un style extrêmement précis, c'était un rythme. Il y a un rythme, quiconque lit Flaubert sait qu'il y a un rythme dans l'écriture de Flaubert, une sorte de scansion qui est bien connue, qui est reconnue. C'est une manière très rythmée, très scandée d'écrire, qui m'avait tout de suite frappée, tout de suite saisie. Mais ça ne m'avait pas non plus nécessairement donné l'envie de lire Madame Bovary. J'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Mais après, bon, ça fait partie des lectures qu'on mène, qui sont souvent assez obligatoires à l'université. Et là, je suis entrée dans l'œuvre. Mais la première voie d'entrée, ça a été le style. Mais ce que j'ai découvert par la suite et qui est important et qui rejoint cette idée de complexité dont je viens de parler, c'est que plus on entre dans l'œuvre, plus on l'étudie de manière un peu plus savante, avec tout le bagage qu'apporte la formation universitaire, c'est que je me suis rendu compte que le style de Flaubert n'était pas là au départ. C'est pas Flaubert qui dit « je vais écrire dans ce style et ça donnera une œuvre ». Le style de Flaubert, cette manière très précise, très rythmée, découle de ce qu'il a raconté. Découle d'un élément qui, pour moi, est fondamental chez Flaubert. C'est un mélange inextricable, extrêmement précis, extrêmement pointu, entre l'ironie d'une part et l'empathie d'autre part. Presque de la tendresse. Il y a une forme de tendresse de Flaubert à l'endroit de ses personnages qui est rarement admis ou rarement dit à premier. A priori, généralement, on associe spontanément Flaubert à une forme d'ironie, une distance critique, l'écrivain justement un peu froid, dont le style est distancié. Il y a aussi toute une ironie sur la bourgeoisie de son époque, sur la bêtise. Bon, ça fait partie de ce qu'on apprend à la lecture de Flaubert, et qui est très fortement présent, mais ça n'est pas que ça. Est-ce que, ça m'intrigue,
Est-ce que les personnages, souvent on dit des romanciers qui sont habités par leur personnage et que donc le personnage peut dicter le style? Est-ce que c'est ça que vous dites de Flaubert? Est-ce que ce sont ces personnages ou ce que ces personnages avaient à raconter qui ont amené le style? Je ne dirais pas que ce sont les personnages qui dictent le style, mais le style de Flaubert, qui est ce style très précis, d'ailleurs, sa correspondance regorge de passages de cet effet où il dit que chaque phrase est mesurée, ouais. On sait combien il a réécrit chacune de ses phrases pour qu'elle soit exactement celle qu'il voulait. C'est que Flaubert dit quelque part dans sa correspondance, et je vais peut-être le démentir un peu, si je peux dire, il dit « Il faut écrire un roman sans haine ni amour aucun de ses personnages. Ah. » Il faut écrire les choses du point de vue, comme le bon Dieu les voit d'en haut, comme du point de vue d'une blague supérieure. Ce qui nous renvoie donc à cette idée d'ironie, de détachement. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que Flaubert n'a pas d'amour pour ses personnages. Ouais. Mais ce n'est pas un amour a priori. C'est plutôt une compréhension de ce qu'ils font. Donc, ce style très précis, très mesuré, c'est aussi le désir, l'ambition d'essayer de rendre compte le plus exactement possible de ce qu'il imagine être la pensée de ses personnages. Comment donc, ça suppose que le personnage, le désir d'être en quelque sorte conforme ou fidèle à ce que le personnage peut éprouver à ce moment-là. Dans le titre de notre entretien, il y a « Explorer le monde et la vie ». Comment est-ce que ces personnages explorent le monde et la vie? Ce qui est intéressant dans le roman, chez Flaubert, mais pas seulement chez Flaubert, c'est que le propre du personnage de roman, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de temps devant soi. C'est un des éléments définitoires de base du roman, c'est la durée. Comparativement à d'autres formes de récit ou d'autres formes de fiction, je ne parle pas seulement de la nouvelle, mais le conte ou même la légende, ce sont généralement des récits assez ramassés ou des récits archétypaux. Le roman a beaucoup de temps devant soi. Donc, le personnage est forcément amené à se transformer, est amené à devoir éprouver les transformations du temps. Alors, l'exploration du roman, elle repose sur cette quantité de temps que le personnage doit affronter. Mais on peut explorer la vie en 24 heures? Un roman peut se dérouler sur 24 heures? Oui, il y a l'exemple célèbre d'Ulysse de James Joyce. Oui. Sauf que le roman ne se lit pas en 24 non. heures, justement. Ces heures sont étendues, il y a une sorte d'expansion du temps à travers... Donc, même si l'action dure peu, même si l'action se passe en quelques jours, il y a une expansion du temps dans la conscience du personnage ou parce qu'on passe à travers la conscience de plusieurs personnages... Selon les cas. Mais est-ce que les personnages des romans nous transforment? Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils nous transforment, mais je ne pense pas, en fait, pour ma part, ça dépend peut-être que d'autres ont d'autres expériences, qu'ils nous transforment radicalement ou surtout qu'ils nous transforment du jour au lendemain. Non. Parce que, bon, je disais que Flaubert, pour moi, c'est une lecture qui est toujours importante. Je me rends compte que j'y reviens toujours, que je n'ai pas épuisé Flaubert. Et on peut être spontanément ou momentanément très frappé par un roman. Il y a certaines lectures qui nous frappent. On sort d'un roman qui nous émeut, qui reste en nous pendant 3-4 jours, mais ça va finir par s'estomper. Mais alors, il peut être lié à une période de notre vie aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres romans qui nous frappent peut-être pas nécessairement spectaculairement au moment de la lecture, mais dont on s'aperçoit qu'ils restent en nous. Et par exemple? Mais justement, pour moi, dans le cas de Flaubert, un autre exemple de roman que je pourrais donner qui travaille tout à fait dans ce sens-là, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres lecteurs qui ont cette lecture, je pense que c'est la seule lecture d'ailleurs qu'on peut avoir, c'est Proust. C'est pas du tout une œuvre dans laquelle on entre. Bon, il y a peut-être quelques lecteurs qui entrent spontanément, facilement dans Proust et qui sont saisis, mais la plupart des lecteurs que je connais, c'est une lecture par étapes. C'est une lecture qui suppose une sorte de guet qui se construit peu à peu. Mais là, on dirait que le roman nous marque. Et pour moi aussi, c'est un élément important, enfin, pour moi, du roman. Pour moi, un roman important, je n'utiliserai pas nécessairement le terme de grand roman, ça peut être un grand roman, mais chacun a sa définition de ce qu'est un grand roman. Mais pour moi, un roman important, c'est un roman que je peux, entre guillemets, consulter.
consulter, je ne veux pas dire le sortir de ma bibliothèque et aller en lire des passages. Je crois qu'avec Proust, on peut faire ça et on gagne toujours. On peut ouvrir Proust n'importe quand, dans quelle page, et gagner quelque chose. Mais le consulter de mémoire, c'est-à-dire que devant une situation donnée, on se dit « Ah tiens, ça, ça me rappelle tel roman. » Ou « Ah tiens, cette personne, cette situation me fait penser à tel personnage ou telle situation. » Donc, consulter, le roman offre une sorte de bibliothèque, mais une bibliothèque de mémoire toujours un peu informe d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas avoir une mémoire parfaite du roman. Non. Mais qui donne des repères, qui nous permettent de comprendre, ou de mieux comprendre, de mieux situer, de mieux saisir les enjeux d'une situation donnée, parce qu'une fiction romanesque est déjà passée par là. Et ce sont les romans qui, pour moi, sont frappants, sont ceux qui restent en mémoire. Mais ce n'est pas des romans qui sont nécessairement frappants de manière spectaculaire. Alors qu'il y a certains romans, je ne sais pas, par exemple, Dostoïevski, je me rappelle, quand les premières fois que j'ai lu Dostoïevski, ça, c'est très frappant. C'est, on reste saisi, on en sort ébranlé. Mais ça revient à ce que je vous disais tantôt, il y a des romans qui nous transforment. Mais qui nous transforment temporairement. Je ne peux pas dire que ma vie a été changée par Dostoïevski. Êtes-vous sûr? Ma vie a été beaucoup plus changée par Tolstoï, si j'avais à créer un pendant. Enfin, changée, je ne sais pas. Enfin, non, enfin, on ne sait jamais sûr qu'est-ce qui change notre vie. Ma vie a été changée. Dans, à l'usage, une œuvre comme celle de Tolstoï, moins immédiatement frappante, dure plus longtemps. Précisément parce que, peut-être parce que Tolstoï, je donne cet exemple, mais Flaubert aussi, qui sont d'ailleurs des auteurs qui se ressemblent. Ce sont des auteurs qui prennent des personnages dont les personnages ont cette qualité d'être, entre guillemets, plus ou moins ordinaires. Ce ne sont pas des personnages d'exception. Les personnages de Dostoïevski sont des personnages d'exception, moins psychologiquement. Oui. Et donc, le personnage ordinaire, entre guillemets, il est plus facile de se lier à lui ou de l'avoir justement comme élément de repère. Mais les personnages ordinaires ne font pas des héros? Non, ils ne font pas des héros. Mais je ne suis pas certaine. Est-ce qu'ils se transforment? Est-ce que les personnages ordinaires se transforment? Puis là, on en arrive au roman sans aventure. Mais c'est-à-dire, il y a plusieurs types de héros. D'ailleurs, c'est ce que j'avais exploré dans Frontières du roman. Le personnage réaliste et ses fictions, c'est un des livres que j'ai publié il y a quelques années, qui portait justement sur cette question. Comment l'histoire du roman, si on suit l'histoire du roman, on s'aperçoit qu'on a des héros qui deviennent en quelque sorte toujours un peu plus faibles en termes d'héroïsme. Je ne sais pas, le roman du 18e siècle met en scène, sinon des chevaliers, du moins de très belles âmes. Il met en scène des modèles dont la parce qu'on est plus grand que nature. Oui, mais plus grand que nature, ou bien dont la fonction est justement de viser à nous élever. Okay. Le personnage de roman est plus grand que nous et nous l'admirons parce qu'il est plus grand que nous. Mais nous l'admirons parce qu'il nous apparaît, malgré tout, comme une figure crédible. Au 18e siècle, cette belle âme, elle est une figure crédible. Okay. Le romantisme suit et nous apprend que les héros sont faillibles. Donc, un héros trop beau, trop grand, cesse d'être crédible. Il devient un héros un peu fantastique. Un héros qui serait absolument parfait cesserait pour nous aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs décennies, d'être crédible. Donc, le héros, le personnage romanesque, en quelque sorte, s'ajuste toujours à la... maintient toujours une forme de crédibilité qui permet l'identification du lecteur à ce personnage. Un petit peu, quelque part, on s'identifie. Il y a toujours une forme d'identification. Mais plus le temps avance, moins nous nous identifions à des figures très fortes ou très héroïques. Donc, il y a une sorte d'adaptation qui se crée. Et Flaubert fait partie un peu de ce tournant. Si on le compare à Balzac, par exemple, chez Balzac, on a encore des personnages... sinon plus grand que nature, du moins des personnages plus forts, des personnages de conquérants, des personnages à la volonté particulièrement forte, qui n'est pas celle de monsieur et madame tout le monde. Mais Balzac est un des derniers à le faire. Avec Flaubert, on commence à voir des personnages dont la volonté est beaucoup plus semblable à la volonté ordinaire des gens.
avec évidemment la difficulté croissante pour le roman de maintenir malgré tout une forme de distinction. Si le roman ressemble trop à la vie et vient s'y confondre, il perd toute spécificité. On n'explore plus la vie. Donc, il y a cet équilibre à maintenir qui a été un nœud, je dirais, une question importante pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Comment maintenir cet équilibre entre des personnages suffisamment crédibles pour que les lecteurs s'intéressent à eux, mais pas trop semblables à la réalité pour devenir de simples objets de reportage, par exemple. OK. Et qu'est-ce qui va faire que de ces personnages-là vont devenir universels, qui vont rester, qui vont, peu importe l'origine du romancier, ils vont transcender les pays, les époques, ils vont donc rester. C'est quoi les éléments qui vont faire que ces personnages vont devenir universels? J'ai un petit peu de difficulté avec l'idée d'universel parce que il me semble que chaque fois qu'on utilise ce terme, on déplace un peu la question. Au fond, ce qui est universel, c'est la réalité, la vie de tous les jours, les sentiments humains ou alors les grands archétypes. Alors que, mais pas seulement le roman, n'importe quelle œuvre littéraire ou même n'importe quelle œuvre d'art va toujours parler d'une exception, d'une différence. Oui. Au fond, on part de l'universel, mais pour aller vers ce qui ne l'est pas tout à fait. Si le personnage de roman, pour revenir au roman, est absolument semblable à vous et moi, ou nous tous qui sommes ici, il n'y a pas absolument de raison de lire un roman, autant parler entre nous. Le personnage de roman, peu importe le roman, il y a toujours quand même une... Il lui arrive toujours quand même quelque chose qui ne nous arrive pas à nous, malgré tout. Il y a toujours une petite déviation, précisément, par rapport à ce qui est universel. Et au fond, plutôt que l'idée d'universalité, bon, qui n'est pas fausse non plus, c'est plutôt l'idée de possibilité que je trouve intéressante. Un roman nous montre une possibilité de la vie ou de l'existence qui doit rester dans le domaine, encore une fois, du crédible ou du plausible, mais une possibilité qui n'advient pas dans nos vies. OK, donc il y a toujours cette dimension-là. Cette dimension d'un écart. C'est un peu autre. C'est un peu autre, mais on peut s'y rattacher. Okay. On peut s'y rattacher parce qu'on dit c'est une possibilité que je ne rencontre pas dans ma vie parce que nos vies sont, au fond, très bien ordonnées et c'est parfait. Parfait ainsi. Je ne suis pas sûre qu'on aimerait nécessairement être des personnages de roman. Ça serait très... Ça serait un peu compliqué. Je sais pas, on va poser la question. Mais c'est une possibilité. Ça pourrait m'arriver. C'est-à-dire cette déviation, ce malheur, cette difficulté, ce drame, cette question existentielle qui frappe le personnage, il ne serait pas impossible que ça m'arrive. Et dès lors, je peux m'y identifier. Mais ça n'est pas non plus exactement ce qui m'arrive. Sinon, il me semble que c'est moins intéressant. Donc, on est dans l'ordre du possible. Et c'est pour ça que quand je disais que c'est finalement un art assez complexe, l'art du roman, ça l'est techniquement. Il faut maîtriser la forme, la composition, justement ce calcul et cet usage du temps. Mais il faut trouver justement une sorte de réalité dans la possibilité. Si ça devient invraisemblable, ça ne fonctionne pas. Donc, ça parle toujours un peu de nous. Parle toujours un peu de nous. Oui. Est-ce que ça parle d'un peuple aussi? Est-ce que ça parle d'un peuple? Alors, je suis tentée de faire deux réponses. La deuxième va contredire la première. La première réponse serait de dire que ça ne parle pas spécifiquement d'un peuple, ce qui nous permet d'ailleurs de lire des romans de tous les peuples. Si un roman, l'idée de lire les romans dans une stricte définition nationale ferait en sorte qu'on entrerait difficilement dans les romans des autres nations. Or, ce n'est pas le cas. On n'a aucune difficulté comme lecteur à lire un roman russe, américain, français, italien. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas un critère en raison... notamment de ce que je viens de dire, parce que l'intérêt du roman est plus dans le domaine des possibilités de l'existence que dans une représentation de telle ou telle culture, même si ça ne l'exclut pas. Et aussi parce que le roman est très, très varié.
Mais ma deuxième réponse va contredire la première, parce que c'est un peu ce que j'ai fait dans le roman Sans aventure. Mais c'est ça. C'était de proposer que le roman québécois dit quelque chose du Québec. Alors, je vais nuancer ma réponse, ou je vais essayer de lui donner un degré de sophistication, en répondant que si le roman dit quelque chose d'un peuple, ça ne serait pas explicitement. Okay. Si c'est explicite, ça devient un peu un roman à thèse ou un roman en démonstration. Mais c'est implicitement qu'un roman peut dire quelque chose d'un peuple ou d'une culture. Et alors, donc, dans les romans que vous avez étudiés dans votre livre, ils parlent de nous, mais vous dites qu'ils n'ont pas d'aventure, ils sont sans aventure. Mais justement, ça serait le trait qui est en question. Dans le roman Sans aventure, ce que j'ai voulu montrer, ou un peu tester comme hypothèse, qui est une hypothèse intuitive, c'est que le roman québécois pris dans son ensemble, évidemment, je n'ai pas étudié tous les romans québécois, mais je suis partie d'un principe qui est le suivant, je suis partie des œuvres marquantes, c'est-à-dire des œuvres qu'on lit le plus souvent, ou que l'histoire littéraire, l'institution, certains usages de la culture donnent comme les œuvres principales. Donc, je suis partie volontairement des œuvres principales qu'on a tous un peu lues à l'école ou dans nos cours. Et je les ai suivies du 19e siècle jusque pas absolument aujourd'hui, pour une raison bien précise. Il y a plusieurs raisons, mais une raison bien précise qui est justement celle des œuvres marquantes, des œuvres qui laissent des traces. Or, c'est difficile de parler des œuvres exactement contemporaines comme des œuvres qui laissent des traces. On le saura dans 20 ou 30 ans. Donc, je m'arrête à peu près aux années 80. Et j'ai étudié à peu près une vingtaine d'œuvres pour repérer tout au long de ces œuvres une sorte de trame continue que j'ai appelée l'absence d'aventure. Alors, par aventure, ce ne sont pas des péripéties ou des événements, parce qu'il y en a toujours. Je donne au terme d'aventure un sens beaucoup plus global, qui est un événement transformateur, une transformation, justement, dans le temps du personnage. Est-ce que le personnage, entre ce qu'il est au début et ce qu'il est à la fin, est-ce qu'il subit une expérience existentielle, culturelle, enfin, peu importe, suffisamment grande pour faire en sorte que l'état où il se trouve, ou le monde dans lequel il se trouve, l'état du monde, par monde, je parle de l'environnement, ce qui l'entoure, est radicalement différent de ce qu'il était au début du roman. Et mon hypothèse, c'est que non, que dans le roman québécois, il n'y a pas cette transformation majeure, que les personnages parviennent toujours, peu importe ce qui leur arrive, à maintenir tout du long, et c'est cette trame-là, ce maintien d'une œuvre à l'autre sur le temps long, une sorte de stabilité du monde. Ce que j'ai appelé l'idylle. Et par idylle, encore, il ne s'agit pas de voir ça comme un monde merveilleux et absolument béni des dieux, où tout se passe merveilleusement, mais un état de paix, un état de... On cherche toujours, comme si on cherchait toujours à garder cet état de paix. Dans l'idylle, au fond, les choses sont relativement calmes et relativement agréables. Au fond, s'il n'y a pas de transformation, c'est qu'il n'y a pas non plus le besoin de transformation. C'est parce que la situation n'est pas suffisamment problématique, détestable ou que sais-je, tragique, pour qu'on dise « il faut que je me sorte de là ». Je n'ai pas à me sortir de là. Ou on va faire en sorte l'état est assez, ou on fait en sorte de ne pas sortir de là, mais il n'y a pas non plus les éléments qui conduisent à un désir d'aller ailleurs, de transformer les choses. Et en fait, tout ça mène à une sorte de renversement d'une situation qui est généralement la situation normale, entre guillemets, qu'on trouve dans la plupart des autres récits romanesques extérieurs au Québec, si on peut dire. C'est que généralement, la situation normale, c'est qu'on est emporté par les événements du monde, emporté, bon, ce qui ne veut pas nécessairement dire la guerre, mais emporté par les transformations, la modernité, les crises économiques. Emporté par un mouvement qu'on ne maîtrise pas. Mais de temps en temps, une idylle s'ouvre. C'est-à-dire, de temps en temps, un moment de paix, de calme s'ouvre et on est bien content quand ça se produit, on se repose un peu. On respire. On respire un peu. Et le personnage romanesque aspire à cet état de, non pas nécessairement de fuite, mais de pause, sachant que
ça sera temporaire et qui sera emporté à nouveau par l'aventure. Est-ce dans le roman québécois, c'est l'inverse. L'état de base, c'est la pause, c'est l'idylle. L'état, c'est une situation où rien n'est trop grave, n'est trop bouleversant. Alors, il y a bien des personnages qui cherchent l'aventure, qui la cherchent de toute leur âme, mm-hmm. de tous leurs vœux, qui parfois l'entrevoient, qui parfois la créent de toutes pièces, mais elle n'advient jamais vraiment, jamais de façon satisfaisante. Il y a toujours ce retour à une forme d'idylle. Et c'est une situation, pour moi, qui est une configuration qui est assez singulière. Est-ce que dans la rédaction de ce livre, à un moment donné, comment vous avez réagi au fur et à mesure que vous découvriez cet aspect-là du roman québécois? Est-ce qu'il y a eu un moment presque physique de dire « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? » En fait, c'est exactement l'inverse. Les gens me posent souvent la question « mais vous avez dû être déçu. » Pas nécessairement déçu, mais en tout cas… Non, c'est exactement l'inverse. Je trouvais ça captivant. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans cette Je parlais tout à l'heure que c'est implicitement que les romans nous disent quelque chose et j'avais l'impression qu'à travers ce fil que je tirais, et parfois je me disais toujours, à un moment donné, ça va lâcher. Et je me disais, bon, le roman de la Révolution tranquille, c'est là où ça tiendra pas, alors que c'est là où ça tenait le mieux, paradoxalement. Et je me disais, non, c'est fascinant parce que ce roman est en train de me faire découvrir quelque chose que je ne voyais pas avant, d'une part, ou que j'intuitionnais peut-être un peu, parce que bon, c'est quand même un fait que le Québec est une société plutôt pacifique dans laquelle il se passe plutôt à l'abri des événements. Mais je le voyais sous un jour différent. Mais ce que je voyais surtout, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que c'est très difficile d'écrire un roman face à cette configuration. Un roman, par définition, suppose qu'il y a une action, suppose qu'il y a une transformation. Mais dire « je vais écrire une œuvre romanesque, sachant ou ne sachant pas, peu importe, mais là, il y aurait bien des nuances à faire, et ça dépend des cas de figure, mais écrire un roman dans une configuration ou dans un état des lieux où il y a peu d'aventures, c'est très difficile. » Parce qu'il n'y a pas la matière pour faire le roman. Il n'y a pas d'aventure. Il n'y a pas d'aventure. Or, le roman advient quand même. Et ce sont de très beaux romans. Ouais. Et ils sont d'autant plus beaux, je dirais, qu'il y a cette difficulté, qu'il y a cet affrontement. Alors, cet affrontement, il prend parfois lieu dans le roman même. On voit justement des personnages qui aimeraient tellement que l'aventure advienne. Par exemple. Mais ils se dérobent. Donc, on trouve ça, par exemple, dans Bonheur de Casillon. Beaucoup. On trouve ça aussi particulièrement dans le roman de Langevin, Poussière sur la ville. Où c'est un personnage qui appelle de tous ses voeux une transformation, mais il est toujours renvoyé au fond à la paix et la fermeture d'un petit village qui l'étouffe un peu, mais sans totalement non plus l'étouffer. Pas au point où il dit « mais il faut que je parte et que j'aille ailleurs ». On trouve aussi des cas de figure où le personnage accepte cette idylle et s'y abandonne. Et c'est là que le roman de la Révolution tranquille survient, où on a des personnages qui aimeraient bien l'aventure, mais qui se rendent compte qu'au fond, elle n'adviendra pas. On a ça chez Roger Duchard, par exemple, qui accepte. Ce sont des personnages qui ont accepté cette... Ou chez Jacques Poulin. Des personnages qui vont accepter de se laisser aller à cette idylle et qui vont se trouver à l'explorer et à la montrer. Est-ce que le monde se referme à ce moment-là? Le monde se referme, oui. Le monde se referme d'une certaine façon, précisément parce que cette configuration, elle est assez rare. D'ailleurs, c'est assez frappant. C'est pas quelque chose que j'ai étudié spécifiquement, mais qui pourrait être une piste à explorer. On parle d'un monde qui se referme. Mais en fait, c'est une chose à laquelle je fais allusion. On a très, très peu de personnages dans le roman québécois. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Aujourd'hui, c'est différent, mais là encore, on verra dans quelques années ce qui reste, comment ça travaille, cette matière, aujourd'hui. Mais disons, jusqu'aux années 80, très peu de personnages qui sortent du Québec. Quand un personnage s'en va, le romancier ne le suit pas. Ah.
c'est le cas justement dans Bonheur d'occasion. On a au fond deux héros, Florentine Lacasse et Jean Lévesque. A priori, on pense que c'est Jean Lévesque qui sera le héros. C'est le plus batailleur, celui qui veut aller ailleurs. Et à un moment donné, effectivement, il part, il s'en va, il quitte Saint-Henri. Mais on ne le voit pas. On ne le suit pas. On ne sait pas ce qui arrive. Peut-être qu'il lui arrive des aventures ailleurs, mais on ne le suit pas. On n'y va pas. On n'y va pas. Autre exemple que je donne dans Volkswagen Blues de Jacques Poulain, on a ce personnage qui est en quête de son frère Théo et qui part, qui traverse tous les États-Unis en minibus. Mais c'est le personnage, au fond, qui ne part pas explicitement à l'aventure. Il suit assez docilement la route qui se trace à lui. Mais le personnage qui est vraiment parti à l'aventure, c'est son frère. C'est son frère Théo, dont on apprend qu'il a fréquenté les gens de la Beat Generation, qui finit un peu hippie et épave à San Francisco. Lui a connu des choses, mais elles ne nous sont pas montrées. Dès qu'un personnage s'en va vers l'aventure, ce n'est pas lui qu'on regarde. On pourrait se poser, par exemple, la question pourquoi on n'a pas ou peu ou à peu près pas de romans qui parlent de tous ceux qui sont allés en Nouvelle-Angleterre pendant l'exil, la fin du 19e, 20e siècle. Bon, il y a toutes sortes de considérations religieuses, le clergé qui tient beaucoup à ce que le roman parle, du qui nous sommes, etc. Mais c'est quelque chose que je trouve qu'on doit revisiter, c'est cette lecture peut-être un peu trop à la lettre ou exclusivement institutionnelle de tout ce roman qu'on a appelé le roman dit du terroir, en le définissant essentiellement et presque uniquement à travers les injonctions d'un clergé qui tenait à ce que les œuvres présentent des exemples très, très, très moraux. Il y a ça, évidemment, je ne le nie pas du tout, mais il y a autre chose aussi. Il y a aussi un consentement de la part des personnages à un monde qui est sans aventure. Et si on lit Maria Chapdelaine à cette lumière-là, ça change tout. Ça devient vraiment beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que si on le lit uniquement à travers la lecture un peu officielle du clergé. On va boucler tranquillement. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans roman? J'aurais beaucoup de difficultés à imaginer un monde sans roman. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi le roman existe-t-il, d'abord? Excellente question. Et ça, c'est une question qui, pour moi, demeure un mystère. J'ai aucune réponse. Je ne sais même pas si on pourrait en faire vraiment une étude. Mais pourquoi le roman se maintient-il comme forme? Y compris dans un monde instantané. Y compris dans un monde instantané. Et c'est une question, parce qu'au fond, la forme du roman, elle est très informe. C'est une forme informe, on le dit beaucoup. Ça revient souvent, il y a plusieurs romanciers qui le disent. Qu'est-ce qui fait se ressembler, je ne sais pas moi, L'étranger de Camus et La vie de Marianne de Marivaux? Entre ces deux formes de récit, qu'est-ce qui vient dire ces deux romans? Quelle est l'espèce d'ADN qui fait en sorte qu'on reconnaît du roman dans toutes ses œuvres? Et pour moi, c'est vraiment un mystère. J'aurais de la difficulté à dire, mais l'ADN, c'est ceci très précisément. Mais malgré tout, on trouve, on pressente, on tient, on parvient à maintenir une trame. Et c'est pour ça que la question de la mémoire du roman, de la mémoire qu'on garde de la forme romanesque ou de cet ajustement, en fait, ça tient un lent ajustement du roman. On maintient une forme. Mais au fond, c'est parce que c'est une forme qui fonctionne et à laquelle on tient. Donc, j'ai beaucoup de difficulté à imaginer un monde sans roman. Et le fait que cette forme se soit maintenue, même si elle s'est considérablement transformée, me semble être un indice qu'on a besoin de cette forme. On a besoin de cette forme parce que c'est une manière de penser les choses, un certain nombre de choses à tout le moins, de penser justement les possibles de l'existence. Évidemment, il y a d'autres formes de fiction qui le font. Le cinéma. Le cinéma le fait, beaucoup, beaucoup d'autres formes de fiction le font, mais le roman a comme particularité, et c'est un élément pour moi qui est tout à fait important, cette durée, cette question du temps, le fait de pouvoir le faire sur un temps long. Le fait aussi de... il y a aussi un rapport de soi au roman, aux œuvres littéraires en général, mais au roman en particulier. Il y a une manière... Si on compare aux autres formes de fiction, par exemple, on peut aller au cinéma,
ou se mettre devant sa télé, écouter un film ou une série télé. Mais ça suppose des... Il y a un début, une fin très, très marquée. C'est relativement court. La même chose, on peut aller écouter un conteur nous raconter des contes ou notre grand-père nous raconter avec beaucoup de saveur des vieilles histoires. Mais la lecture de romans est peut-être ce qui s'incorpore le plus dans la trame de notre vie. La lecture de romans prend du temps. On est obligé de la découper en morceaux. On la lit un peu à temps perdu, à différents moments. C'est peut-être la forme dont la consommation, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, est la plus intime, est le plus étroitement liée à ce qu'est notre vie. Et on peut l'avoir expérimenté aussi soi-même. On lit un roman qui correspond à un moment de sa vie. On sait aussi... Il y a des romans qu'on va aimer à certaines périodes de notre vie, puis si on les relit, voilà, on a la moins... Exactement. On a aussi... je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui, mais qui existait beaucoup au 19e siècle, les lecteurs qui écrivaient aux auteurs pour leur dire, s'il vous plaît, ne faites pas mourir l'héroïne, surtout dans le cas des romans feuilletons ou dans le cas des romans fleuves du début du 20e siècle, les hommes de ma volonté, par exemple, les lecteurs qui écrivent aux romanciers en disant, ah, j'espère que... Ou, enfin, il y a beaucoup d'études là-dessus parce que c'est perçu comme extrêmement lié à sa propre vie. Donc, ils nous sont proches, ces personnages-là. Les personnages nous sont proches. Donc, c'est pour ça que le roman a cette spécificité. Bon, il y a d'autres formes aussi qu'on peut lire de façon très intime. Mais étant donné la durée, il y a une forme d'appropriation du roman qui n'est pas la même pour d'autres genres littéraires. Donc, on va garder le roman. On va garder le roman. Enfin, j'espère qu'on va regarder le roman. On va avoir la mémoire du roman. On va la garder. Toute dernière, votre prochain sujet de recherche, ou qu'est-ce qui vous habite au niveau de la recherche par rapport toujours au roman? Bien, il y a plusieurs questions qui m'habitent toujours autour de la question de la mémoire. J'ai étudié la façon dont la mémoire, dont le roman garde la mémoire de ses propres formes. Il y a plusieurs pistes que j'explore en ce moment et j'aimerais établir un lien entre l'évolution du roman et l'évolution de la mémoire. L'évolution de la mémoire humaine, enfin, il n'y a pas tellement d'autres mémoires qu'humaines, la façon dont nous avons ou dont nous pouvons conserver les choses en mémoire étant donné la quantité d'informations qui se retrouvent face à nous. Il y a des étapes qui vont du 19e siècle jusqu'à nous. Il me semble que le roman suit plus ou moins ces étapes. Le roman devient un lieu de mémoire au 19e siècle, avec ses romans très encyclopédiques, par exemple, Balzac, Zola, au moment où on commence aussi à créer des musées, on commence aussi à créer des encyclopédies pour garder ce que la mémoire humaine n'est plus capable de garder parce que le savoir s'accumule. Mais en même temps, le roman est aussi un lieu, c'est quelque chose que j'ai exploré, que je vais continuer à explorer, où on se déleste d'une certaine mémoire. Ça fait partie aussi de l'expérience de la lecture. Et ce n'est pas un hasard. Quand on lit un roman, on ne peut pas se souvenir de tout. C'est impossible. Donc, au fur et à mesure qu'on lit un roman, on ne se souvient que d'une partie. Donc, l'expérience romanesque, c'est aussi l'expérience de la perte, constamment. De la perte et de la disparition des choses et du choix de ce qu'on garde ou non, un choix conscient ou non. C'est pour ça, d'ailleurs, que toute lecture de roman est singulière. Personne ne lit un roman de la même façon parce que personne ne se souvient de la même façon. C'est tout à fait frappant. Si on fait le test, quelle est la scène qui vous a le plus frappé dans telle œuvre, ce ne sera jamais la même, à moins qu'il y en ait une qui soit particulièrement spectaculaire. Et ce serait étonnant. Et souvent, d'ailleurs, des gens... Même pour une œuvre que je connais bien, comme celle de Flaubert, des gens me disent « Ah oui, il y a telle scène! » Et puis, je suis pas sûre de m'en rappeler particulièrement. Donc, c'est très frappant. Donc, c'est drôle, parce qu'on finit cet entretien avec le temps. Oui. On a commencé en se disant « Le roman, c'est dans le temps, c'est dans la transformation, et on finit avec la mémoire. » Oui. Et donc, voilà. Ce sont ces liens-là que j'aimerais continuer à explorer. On le souhaite. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Commentaire. J'en avais un. Je suis surprise par votre choix du mot idylle. Oui. Parce que
soit sur la personne même qui s'empêche de faire, ou son environnement qui le ramène toujours, on dirait, vers le fond. Cette incapacité à aller vers la curiosité, à aller voir ailleurs. On a peur de l'ailleurs. Si on réussit, il faut qu'on rate quelque part parce que la réussite, c'est pas bon. C'est dangereux. Il y a plein d'exemples comme ça ou de scènes où... Alors, l'idylle, j'ai un peu de misère. Pour moi, les gens tombent toujours dans leur misère. Oui. Alors, au lieu d'aller, tu sais, ils ont le goût, ils avancent, ils font plein de choses, puis boum, c'est fini, ils sont pas capables. Oui. Donc, l'idylle, j'ai vraiment de la misère. Okay. Oui, bien, il y a effectivement cet élément que vous dites, mais encore une fois, idylle, il faut bien le comprendre. Pour moi, l'idylle ne suppose pas que la vie soit facile, que la vie soit agréable, qu'il n'y ait pas la pauvreté, qu'il n'y ait pas la dureté, qu'il n'y ait pas des épreuves personnelles. L'idylle, c'est plutôt un état des lieux qui fait en sorte que le monde est abrité. En fait, on pourrait transformer le mot idylle par le mot abri. Les personnages sont à l'abri, et on peut trouver cet abri positif ou négatif. Je ne le connote pas positivement, ni négativement. Je ne le connote pas de cette façon-là. C'est un abri. Et en fait, ce que vous dites rejoint l'idée d'abri. Le personnage est saisi dans un monde dont il ne peut pas échapper, qui ne le transforme pas, qui ne l'emporte pas ailleurs. Alors, un personnage peut en souffrir, justement, et se dire, voilà, je retombe toujours dans les mêmes ornières, je ne parviens pas à dépasser ce monde qui m'entoure, mais en même temps, c'est un monde qui ne me transforme pas. C'est un monde qui fait en sorte que l'état premier qui est le mien, l'état où je me trouve au début du roman, donc le personnage n'a pas cette conscience aussi explicite, ne peut pas être dépassé. Alors, je l'appelle idylle parce que j'y ajoute une connotation d'abri. Moi, je trouve ça extrêmement déprimant. Mais oui, ça, je comprends. Il y a plusieurs lecteurs trouvent ça déprimant, mais ça dépend vraiment de sous quel angle on le voit. Si on rentre dans l'analyse fine des romans, je trouve que la capacité qu'a le roman de pointer ça, de le montrer, pour moi, c'est très excitant. C'est la preuve que le roman nous montre quelque chose qui n'est peut-être pas forcément agréable, mais qui nous dévoile quelque chose. Et justement, plusieurs lecteurs de mon étude ont dit « Oui, mais c'est... » Parce que malgré tout, il n'y a pas de l'aventure. Mais justement, la force du roman, c'est de nous dire non. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon hypothèse. Ça demeure une hypothèse de lecture. C'est aussi une question, c'est une piste pour la réflexion. Ça sert aussi au débat et ça fait partie de ça, je pense, les études qu'on mène, c'est de poser des hypothèses et d'essayer de voir si elles peuvent nous mener ailleurs ou peut-être ouvrir d'autres pistes. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'il y a une force du roman qui est de dire « ça nous montre quelque chose qui n'est pas forcément agréable ». Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est très excitant. Mais je peux comprendre très bien qu'il y a cet autre regard sur les choses, tout à fait. On comprend que c'est trop tôt pour partager une lecture étudiée des romans récents. Est-ce que ça continue, ça, au Québec, le roman sans aventure? Ou si vous commencez à détecter d'autres types de romans, je comprends que vous ne voulez pas tout de suite les analyser et partager votre analyse, mais est-ce que vous détectez quelques signes qu'il y a des changements? En fait, j'hésite. C'est-à-dire, il y a plus, ça dépend. Il y a, par moments, je me dis, ça se poursuit. Et même, je dirais que non seulement ça se poursuit, mais que ça devient que la frontière entre... Ce qui est très certain, c'est que la frontière entre roman québécois et, disons, roman non québécois est beaucoup plus ténue qu'à une certaine époque. À une certaine époque, le roman québécois, c'était très précis. Le roman québécois, ce n'était pas le roman français, ce n'était pas le roman... Aujourd'hui, on vit dans une vision beaucoup plus dénationalisée de la littérature, beaucoup plus mondialisée. Et je ne suis pas la seule à dire, définir aujourd'hui ce qu'est un roman québécois, c'est beaucoup plus difficile que dans les années 60, les années 70, où ça allait presque de soi. Alors,
Il y a une possibilité, mais encore, c'est vraiment sous toute réserve, je ne mettrai ma main au feu, je ne parierai sur rien. Il y a une première possibilité que je peux entrevoir, c'est que c'est tout le roman qui devient de plus en plus idyllique. C'est-à-dire que on peut voir la mondialisation de deux façons. On peut la voir comme une aventure qui nous entraîne, on ne sait où, et on verra où elle nous entraîne. Et dès lors, le roman québécois va participer de cette aventure. Ce serait comme n'importe quel autre roman. Ou bien on peut voir la mondialisation, c'est une autre option, comme une grande idylle, comme une forme de pacification généralisée. Alors on dit oui, mais il y a la guerre partout. Il n'y a pas la guerre partout. Dans nos sociétés occidentalisées, on est plutôt... on fait tout et il faut s'en réjouir pour le plus possible apaiser les choses. On n'y parvient pas, bien entendu, parfaitement, mais on en arrive, on œuvre le plus possible à une forme de, sinon de plus grand confort, de plus grande justice, de plus grande équité. C'est ce vers quoi on va. Et dès lors, c'est tout le roman qui ira vers une forme... C'est tout le roman qui sera un peu confronté à l'absence d'aventure. Mais, encore une fois, ce sont pour moi deux hypothèses que je mets en regard. C'est vraiment 50-50, si je puis dire. Je n'ai pas vraiment d'option, mais c'est deux façons de considérer les choses. Et on verra ce que ça donne, mais c'est... absolument passionnant à suivre. Et j'imagine qu'un jour, peut-être, on ne sait pas ce qu'on fera, mais qu'il y aura une suite à écrire, mais il faut que j'attende de voir ce qui se passe. Et à la fois, c'est ça, on aimerait bien de l'aventure, mais pas trop non plus. C'est pas si mal de vivre dans une société sans trop d'aventure. On ne souhaite pas non plus que l'histoire nous emporte trop, on ne sait où. Mais d'où viendrait la transformation à ce moment-là? Si on n'est qu'en quête d'un abri ou d'une idylle? Mais c'est ça, la transformation, on ne peut pas savoir d'où elle vient. Et c'est ça, pour moi, le propre de la transformation et le propre de l'aventure. Une aventure dont on sait ce qu'elle est, une aventure dont on est capable de prévoir toutes les étapes, c'est pas une vraie aventure. La vraie aventure, c'est lorsque ce qui nous arrive n'était pas prévu. L'aventure commence lorsque ce qui se passe n'est pas ce qu'on avait prévu. C'est pour ça que je dis, on est emporté par quelque chose. Oui. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle classiquement les romans d'aventure, Robert Louis Stevenson, ou bien des romans policiers, où là, c'est un peu prévu, il y a des trames. Évidemment, c'est très divertissant et on peut le lire pour cette raison. Mais ce ne sont pas des romans qui nous confrontent à des transformations qu'on avait prévues. C'est lorsqu'un personnage perd pied, a le vertige, qu'on entre dans l'aventure. Alors, un exemple qu'on peut donner qui est très, très frappant parce qu'il est bien connu, c'est Kafka. Le personnage de Kafka se réveille un matin transformé en cloporte. Le personnage de Kafka se réveille un matin, il y a deux huissiers à sa porte et on l'emmène et on lui dit qu'il a commis un crime ou quelque chose et il ne sait pas c'est quoi et il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Ça, c'est de l'aventure. Absolument. Alors qu'on ne penserait pas, a priori, dire que Kafka, c'est un roman d'aventure. L'aventure, c'est une transformation, pas seulement psychologique, mais c'est une transformation, une épreuve qui est liée à la conception, à la lecture qu'on peut faire du monde dans lequel on est. Soudainement, plus aucun repère ne tient. Tout a été bouleversé. Alors que dans le moment, on vit dans un monde où on veut constamment avoir des repères. On veut tout prévoir. On veut tout prévoir. On veut tout prévoir. Et il s'agira de voir si on parvient à tout prévoir ou non. Alors, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on souhaite que tout devienne imprévisible? Pas forcément. Non. Mais c'est sûr que romanesquement, on le souhaite aussi. Enfin, on verra. C'est un dilemme. Oui. Merci. Merci Isabelle et Carol pour le fascinant aperçu que vous nous avez présenté de votre travail. Surtout les réflexions, je pense que les réflexions et les aspects très personnels sont très intéressants et appréciés. Votre passion pour le sujet, pour vos sujets est évident et inspirant. Et merci et félicitations aux trois pour le prix qu'ils aiment.
Je profite pour un moment de l'occasion avant le cocktail pour rappeler à toutes et tous que le 8 ou au 12 mai 2017, l'Université McGill sera l'hôte du 88e congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, placé sous le thème, sur le thème « Vers de nouveaux sommets ». Établi au Québec, l'ACFAS est un organisme international qui ouvre à la promotion de la science dans toutes les disciplines, dont les sciences humaines et sociales, ainsi que de la recherche interdisciplinaire. Le congrès annuel d'ACFAS réunit plus de 5 000 chercheurs francophones, ce qui en fait la plus importante activité de langue française des gens dans le monde. Ce congrès sera une formidable tribune pour mettre en valeur, tant au Canada qu'à l'étranger, les forces de McGill en recherche et sa culture bilingue. Une façon de s'investir dans le congrès est de proposer et de diriger un petit panel dans votre champ d'études. Il est encore temps de le faire, car la date limite pour le proposer un panel est le 1er novembre. Afin d'encourager la participation des étudiants au cycle supérieur et des postdoctorants, McGill prendra à sa charge les frais d'inscription, y compris les droits d'admission à l'ACFAS, de ces étudiants qui présenteront une communication scientifique. So please encourage, please send proposals and also encourage your students to do so. You can find more information and submit a proposal at acfas.ca. Thank you all for coming to tonight's talk, to this year's Killam Talk, and I invite you to stay for the cocktail. Thank you. Good night.